Ett gräl har uppstått mellan den tidigare chefen för EU:s yttre gränsbevakning Frontex och den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson. Enligt Fabrice Leggeri, som tidigare ledde Frontex, uppmanade Ylva Johansson honom att släppa in illegala flyktingar eftersom Europa behöver dem. Från kommissionens sida säger man nu att Ylva Johansson aldrig har sagt något liknande. Fabrice Leggeri fick sedan sparken eftersom han ansågs vara för hård mot illegala migranter. Men nu kandiderar han till EU-valet för det franska högerpartiet Nationell Samling som leds av Marine Le Pen. Riks fick en intervju med Fabrice Leggeri som är tydlig med vad han tycker om EU-kommissionärer som inte ser till att hålla Europas gränser. Monsieur Leggeri, bonjour et bienvenue à Riks. Bonjour, Monsieur Sorman, et merci beaucoup au journal Rix de m'inviter. C'est un plaisir et un honneur pour moi. Et c'est un plaisir pour nous aussi. Alors, vous avez pris la direction de Frontex en 2015. À l'époque, est-ce que Frontex était une organisation qui fonctionnait selon vous, qui remplissait ses fonctions? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? En 2015, Frontex était une toute petite agence. Il y avait moins de 300 employés et les employés de l'agence n'avaient pas le droit de participer directement au contrôle des frontières. Le rôle de l'agence, c'était d'organiser des coopérations entre les différents États. Il y avait par exemple la police suédoise qui participait à certaines activités de Frontex dans différents pays européens. Le budget de l'agence en 2015 était encore très petit, c'était à peu près 100 millions d'euros par an. Et lorsque je suis parti en 2022, nous avions à peu près 2500 employés et le budget avait été multiplié par 10. Il y avait donc à peu près 900 millions d'euros de budget. Mais la grande différence, en tout cas, c'est que j'ai, pendant mon mandat, pendant mes fonctions à la tête de Frontex, j'ai développé l'agence pour en faire vraiment une agence opérationnelle avec notamment la création du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui est une proposition de la Commission européenne de Jean-Claude Juncker avant 2019. Et à cette époque-là, le commissaire européen qui était chargé de la politique migration affaires intérieures était M. Avramopoulos, d'un parti de droite, et qui était un ancien ministre grec. Mmh. Et jusqu'en 2019... je dirais que j'ai reçu tous les soutiens de la Commission européenne pour essayer le plus vite possible et le mieux possible de faire vraiment un corps européen qui aide les États et qui respecte la souveraineté nationale des États. Oui, et là, justement, en 2019, Madame Ylva Johansson, que nous connaissons bien en Suède, bien sûr, est devenue donc commissaire chargée des affaires intérieures et donc responsable de l'immigration. Et il paraît que vous deux, vous avez eu des points de vue assez différents sur les objectifs et le travail de Frontex. Alors, sur quoi est-ce que vous n'étiez pas d'accord? Je crois que le meilleur exemple, c'est... Dès notre première rencontre en octobre 2019, Madame Ylva Johansson m'a dit, parce que je lui racontais les préparatifs pour le corps européen de garde-frontières avec des uniformes européens, avec des armes, comme une police qui patrouille, et elle m'a dit de ne pas me faire de soucis s'il y a du retard ou si c'est un peu compliqué. Et je vais citer en anglais, parce qu'elle m'a parlé en anglais. Why do you need weapons and uniforms? You don't need that with this European standing corps. Because your job is to welcome migrants. Migrants come for love. And we are an aging continent. We have to welcome migrants. Donc ça, c'était la première déclaration de Madame Johansson lorsqu'elle m'a rencontré. Et donc j'ai compris tout de suite qu'il n'y avait pas du tout la même vision et que Madame Johansson avait une vision du corps européen qui n'était pas conforme à la mission que j'avais reçue du législateur de l'Union européenne, qui avait décidé de faire un corps européen avec des uniformes, avec des armes à feu, pour ressembler à une police des frontières qui aide les autorités nationales. Et j'ai compris qu'elle avait, de toute façon,
une grande proximité avec les ONG favorables à l'immigration. Et très vite, j'ai vu aussi que Madame Johansson utilisait dans toutes les circonstances le mot pushback. Et donc, tout cela était une vision qui n'était pas conforme au mandat juridique que moi j'avais reçu. Et le conseil d'administration de Frontex m'avait à nouveau nommé en juin 2019 pour une nouvelle période de 5 années. Et il m'avait évidemment réélu, le conseil d'administration de Frontex, pour faire un corps européen qui protège les frontières extérieures contre l'immigration illégale notamment. La citation que vous avez donnée là de Ylva Johansson, et je crois que vous l'avez fait récemment aussi dans une interview en France. Et maintenant, le porte-parole de la Commission affirme que vos déclarations là, donc cette citation, vos déclarations à ce sujet sont fausses. Quel est votre commentaire là-dessus? Mon commentaire, c'est que j'ai déjà relaté cette citation à un journaliste allemand au mois de janvier 2024, et ça a été publié dans Welt am Sonntag du 21 janvier 2024. Et le journaliste allemand, Monsieur Tim Röhn, qui a fait mon interview, a demandé à la commissaire Johansson ou bien son cabinet, il leur a demandé s'il pouvait confirmer cette citation de Madame Johansson, et le cabinet de Madame Johansson, en janvier 2024, a refusé de faire des commentaires. Donc je pense que si ma citation était fausse, le cabinet de Madame Johansson aurait dû le dire dès le mois de janvier 2024, et non pas attendre que je sois candidat du Rassemblement national en France. Oui. Comme vous avez dit, vous vous engagez maintenant dans la politique et vous êtes donc placé maintenant en troisième position sur la liste de Rassemblement national pour les élections européennes. Pourquoi le Rassemblement national? Eh bien, en France, le Rassemblement national est le parti qui a le diagnostic le plus lucide, le plus courageux, à propos en particulier de l'immigration illégale qui submerge l'Europe et donc évidemment la France. Nous en savons quelque chose, mais je crois que vous aussi en Suède, vous avez beaucoup d'immigrés illégaux qui arrivent chez vous et qui veulent profiter de votre système d'aide sociale qui évidemment leur paraît très généreux. Et donc je pense que le Rassemblement national en France est le meilleur parti qui fait le meilleur diagnostic et qu'il apporte les bonnes solutions. Et le Rassemblement national est le premier parti de France, et donc c'est aussi le parti qui, de mon point de vue, est capable aujourd'hui et très bientôt de gouverner la France. Et donc je suis candidat sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes, parce que je souhaite mettre mon expérience européenne, mon expérience de directeur de Frontex, et mon expérience de haut fonctionnaire français dans des ministères où on traite de la sécurité. Je suis un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur à l'origine. J'ai travaillé aussi 4 ans et demi au ministère de la Défense français dans les domaines du droit européen, du droit international. Et j'ai aussi été diplomate pendant 2 ans en Corée. Et j'ai donc participé à des missions vraiment régaliennes. Et je pense pouvoir mettre mon expérience au service du Rassemblement national lorsque le Rassemblement national gouvernera la France. Pour nous, l'élection nationale importante, c'est 2027, l'élection présidentielle. Et donc, je m'engage pour Marine Le Pen, présidente de la République, et Jordan Bardella, Premier ministre. Et en attendant, eh bien, nous allons nous battre pour une meilleure Europe au Parlement européen. Et donc, j'espère qu'il y aura le plus grand nombre possible de députés européens du Rassemblement national, mais aussi de nos collègues qui viennent d'autres pays européens, parce que je sais, et mon expérience de directeur de Frontex pendant 7 ans et demi me l'a montré, je sais que beaucoup d'Européens sont extrêmement préoccupés par la submersion migratoire, toute cette augmentation de l'immigration illégale. Je sais que beaucoup d'Européens, beaucoup de citoyens européens sont préoccupés par l'insécurité que cela signifie. Et je sais aussi que beaucoup de citoyens européens
n'accepte pas de voir la Commission européenne prendre des pouvoirs que normalement elle n'a pas. Et je suis très inquiet d'entendre Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, parler de domaines où elle n'a aucune compétence institutionnelle. Pour vous donner un exemple, maintenant elle parle de sécurité économique. Alors, il est vrai que la Commission européenne a des compétences institutionnelles dans le domaine économique, nous le savons tous, mais dans le domaine de la sécurité, je tiens à le redire, la Commission européenne n'a pas de compétences. Et la sécurité est une matière qui appartient à la souveraineté nationale des États. Et donc, nous, au Rassemblement national, nous voulons, dans les domaines de coopération européenne, nous voulons une coopération entre les États européens. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite participer aux élections européennes. Et si je suis élu, je ferai tout ce qu'il est possible pour participer à, disons, arrêter la Commission européenne qui veut se mêler de tous les sujets, éviter, si possible, d'avoir une deuxième fois Madame von der Leyen comme présidente de la Commission. Et je souhaite également, en siégeant au Parlement européen, éviter d'avoir des commissaires européens qui se moquent des peuples d'Europe. Et je pense en particulier à Madame Johansson, qui tricotait pendant les réunions avec les ministres de l'Intérieur. Et je trouve que ça, c'est une réaction tout à fait insultante de la part de Madame Johansson, parce que lorsqu'elle parle à des ministres de l'Intérieur des 27 États de l'Union européenne, elle parle à des représentants de gouvernement qui sont l'expression démocratique des peuples d'Europe. Et en particulier, généralement, les ministres de l'Intérieur parlaient de leurs préoccupations contre l'immigration illégale et contre l'insécurité. Donc moi, je veux aller au Parlement européen, mettre mes compétences et mon expérience au service des Français, bien sûr, qui sont mes électeurs, mais de manière indirecte, cela pourra être utile aussi aux autres Européens qui, comme nous au Rassemblement national, sont préoccupés par l'immigration illégale, l'insécurité et le fait que la Commission européenne veut prendre tous les pouvoirs. Ok, je crois qu'on s'arrête là. Monsieur Legeri, merci beaucoup d'avoir voulu répondre à mes questions. Et merci. Merci à vous. Oui, et merci à vous tous d'avoir regardé. À bientôt.